jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Tout ce que vous devez savoir sur la papaye. La papaye est un fruit originel d'Amérique, elle a été cultivée bien avant la découverte de l'Amérique. Les Espagnols ont emmené la papaye dans d'autres régions. Actuellement elle est cultivée dans différentes régions comme l'Afrique, l'Australie et bien sûr l'Amérique. Il est gros et contient des graines. Il contient des nutriments riches en sucre qui sont d'absorption rapide, son absorption dépend de la maturité de celui-ci. Il fournit un faible niveau de protéines, ce qui est courant dans les fruits, ainsi que de faibles niveaux de graisse. On le trouve dans les régions montagneuses du Panama et du Pérou, jusqu'au Chili. Ce type de papaye est petit, peut être comparé à la taille d'un poing, a un goût sucré et aromatique et a une pulpe juteuse. Papayula. Elle fait partie de la famille des papayes, elle pousse principalement en Colombie et peut atteindre jusqu'à 3000 mètres de hauteur. Il est principalement utilisé sous forme de confiture ou de compote. Papaye laiteuse. Il est très agréable, apprécié pour son odeur agréable et ses qualités saines. Ce fruit a des effets stimulants et nettoyants pour la digestion. Papaye de cuisine. Il est également nommé comme la papaye crue, en Thaïlande, c'est une collation très exquise. Elle est récoltée rapidement, elle est verte et ne peut pas être consommée fraîche donc elle doit être cuite pour être ingérée. La baie. Ce type de papaye contient le poids idéal d'environ 1 kg et une taille adaptée à un usage domestique. Lorsqu'elle est mûre, la pulpe prend une couleur saumonée, sa saveur peut rappeler à la fois la framboise et l'abricot. Son niveau d'acidité est élevé par rapport aux autres types de papaye, ce qui la rend plus désirable à la consommation. Babao. Il est frais, ce qui le rend parfait pour la consommation, il ne contient pas de graines et la peau peut être consommée. Ce fruit pousse sur un arbre d'une hauteur maximale de 300 mètres et les fruits pendent individuellement. Sa saveur est délicieuse, elle peut vous rappeler la pomme, l'ananas et la fraise. Seul. Le fruit est vert au début, mais en mûrissant, il devient jaune. Il est probable que des taches brunes apparaissent sur la peau, cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Sa pulpe est très juteuse, sa saveur peut être comparée à celle du melon et il se classe premier au monde pour son excellence en termes d'exportation. Propriété de la papaye. Diurétique. La papaye est un excellent diurétique, car c'est un fruit abondant en eau, à 90% de son contenu. Antioxydant. Bien que la vitamine A soit très importante, son apport en lycopène est plus important, car elle contribue à la coloration de la papaye et à un effet antioxydant. Digestif. Il contient des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques, c'est pourquoi il aide à éliminer la pharyngite, l'amygdalite, l'arthrite, les plaies, les démangeaisons, les ecchymoses, en plus de soulager la douleur et de faciliter la digestion, ceci grâce à une enzyme papaïne qu'il contient. Papaïne. Les papayes contiennent un composant appelé papaïne, c'est une enzyme aux propriétés similaires à la pepsine, elle fait partie des sucs gastriques. Ils sont trop importants, car ils aident à décomposer les protéines, empêchant la formation de gaz et la gastrite. Augmenter les défenses. La papaye fournit au corps de grandes quantités de vitamine C, car rien qu'en ingérant, vous pouvez couvrir jusqu'à 100% de la quantité recommandée par jour pour un adulte, il contient même plus de vitamine C que l'orange. Santé de la peau. Ce fruit contient de la vitamine A, responsable de la pigmentation naturelle de la peau en mélanine, aide à favoriser le bronzage et protège des rayons UV. Maladies cardiovasculaires. La cryptoxanthine flavonoïde, est un autre de ses composés, elle agit comme un antioxydant contre les radicaux libres, il provoque un vieillissement prématuré des cellules.
Ceci protège le cœur en réduisant les quantités de cholestérol nocives pour la santé, prévenant ainsi les maladies cardiovasculaires. Base acide. Contient du calcium, des minéraux, du magnésium, du phosphore et du potassium. Ils sont chargés de rétablir l'équilibre entre l'acide, base du corps. Tout sur la papaye. Effet négatif du tabac. La papaye est recommandée aux personnes qui fument, car elles ont besoin d'une plus grande quantité de vitamine C. Le tabac contient des propriétés oxydantes, cela l'amène à consommer une grande quantité d'antioxydants pour lesquels il oblige les personnes qui fument à un apport beaucoup plus élevé en vitamine C. La papaye seule peut dépasser la quantité dont ils ont besoin de cette vitamine. Fertilité masculine. La papaye peut être une ressource pour augmenter la fertilité chez les hommes, car il a été prouvé que certains hommes qui vivent dans des zones géographiques spécifiques, en particulier dans les grandes villes, ont tendance à diminuer la quantité et la qualité du sperme. Le stress, la pollution et d'autres facteurs poussent le corps à consommer plus d'antioxydants et de cette manière les niveaux de vitamine C diminuent. Papaye et ses propriétés peuvent empêcher ou inverser ce problème en peu de temps. Ils sont riches en vitamine A, carotène, et en vitamine C. La dose recommandée de vitamine C pour un homme adulte est de 90 mg, chez les femmes, elle est de 75 mg et une papaye moyenne contient 190 mg, donc un bon morceau de papaye couvrirait la dose recommandée. Pour les alcooliques et les fumeurs de tabac, il fournit la quantité de vitamine C dont ils ont besoin. Papaye pour perdre du poids. La papaye est un fruit faible en gras et ne contient que 39 calories pour 100 g dans sa structure. Il fournit moins de calories qu'une pomme et deux fois plus de bêta-carotène, en raison de sa teneur en potassium et en sodium, il ne retient pas les liquides, ce qui le rend parfait pour vous aider à perdre du poids. Comme mentionné précédemment, la papaye dans sa composition est composée à 90% d'eau, elle aide donc à accélérer le processus de digestion et fournit au corps et à la peau ce qui est nécessaire pour un bon fonctionnement. Autres avantages de la papaye. Il augmente les défenses de l'organisme. Active l'absorption rapide du fer. Effet antioxydant, il élimine donc les radicaux libres. Augmente la formation de collagène. Prévient le cancer du sein, de la vessie, du col de l'utérus et du côlon. Empêche la perte de vision avec l'âge. Retarde le vieillissement et la vieillesse prématurée. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.